On enlève le manteau, hop, on va duper. Il a pris 180 ml ce matin à 8h. D'accord. Pas de fièvre et tout va bien. Et vas-y, bien. L'arrivée des masques transparents, pour moi, c'est beaucoup plus facile, étant donné que j'ai des problèmes de surdité. Je trouve ça beaucoup plus simple, en fait, qu'on puisse voir les lèvres bouger, parce qu'étant donné que je lis sur les lèvres, en général, quand j'arrive pas à très bien entendre. Et pour mon fils, j'ai trouvé ça beaucoup mieux, du coup, parce que je vois qu'il réagit beaucoup plus, même si on a des expressions qui passent par les yeux. Je pense qu'avec le visage entièrement, et notamment par rapport au sourire, à la façon de parler, on voit beaucoup mieux avec le mouvement de la bouche. 1, 2, 3. As-tu vu la vache? La vache aux yeux bleus, bleus, bleus. Avec sa petite queue nature terminée par un plumet. Je pense que c'est important que les enfants voient le visage, et en tout cas la bouche, des adultes qui les encadrent pour permettre l'imitation, l'apprentissage de la parole et le fait de reconnaître les visages pour une sécurité affective aussi au quotidien. Salut. Dis bonjour. Oh. Voilà. Vous voulez que je vous le pose où? Bon, on va s'installer sur le tapis. Tu vas là, Belin? Hein, mon amour? Qu'est-ce que t'as vu? Je te pose ici. Comme Camille, en fait, est un enfant qui est sourd, il faut qu'il puisse localiser les sources de bruit, et notamment quand on lui parle, on nous a toujours dit qu'il faut bien qu'il fixe le visage des individus et qu'il voit les lèvres bouger pour qu'il comprenne que ça vient, que le son sort de la bouche. Donc c'est vrai que quand les masques transparents sont arrivés à la crèche, moi je me suis dit c'est très bien. Et d'ailleurs, je pense que lui, en retour, il réagit mieux. C'est bien, bravo, bravo, tu tapes. Tu joues? Oui. Regarde, tu peux taper dessus aussi. Pour des enfants qui sont porteurs de handicap et qui sont, par exemple, malentendants, on voit que ça a un effet beaucoup plus captivant pour l'enfant. Ça interpelle beaucoup plus son regard et ça lui montre vraiment les mouvements des lèvres qui doivent être faits quand on parle.